Planification stratégique pour l'amélioration de la gouvernance au sein des comités nationaux olympiques, le perfectionnement des athlètes, des entraîneurs et des responsables de l'harmonisation des plans continentaux pour la promotion de l'excellence africaine est le thème retenu pour ce 38e forum des secrétaires généraux de l'Association des comités olympiques d'Afrique. En substance, il s'agit à travers cette rencontre de redynamiser le mouvement olympique africain. Votre rôle de secrétaire général au sein des comités nationaux olympiques d'Afrique est primordial. Engagez-vous pour un mouvement olympique puissant qui entraîne la jeunesse africaine vers le sport, vecteur de santé, la détection et l'excellence des athlètes, des jeunes talents, la culture de la paix par la mobilisation des jeunes par le sport. Vous êtes la pierre angulaire de la mise en œuvre de toutes les politiques structurelles de valorisation du sport en Afrique. Et grâce à vous dépend la santé physique et morale de nos 54 comités nationaux olympiques. Je pense que ce forum vous permettra d'échanger, de tirer des conclusions et de faire des recommandations sur des thèmes en relation avec le mouvement olympique africain, le fonctionnement des CNO, la mise en œuvre des programmes de la solidarité olympique, la participation de l'Afrique aux différents Jeux, les activités de Olympia Africa, les questions relatives aux athlètes, le financement du sport, ainsi que d'autres sujets d'intérêt général, tels que la bonne gouvernance, la transparence financière et la responsabilisation, le rôle de la commission des athlètes et du genre, l'entourage des athlètes, les relations entre les CNO et les gouvernements, et j'en passe. L'Afrique va accueillir dans les mois à venir de grandes compétitions sportives internationales, d'où le renforcement des capacités des secrétaires généraux en matière de planification pour la réussite de celles-ci. Le titre de ce séminaire va se baser beaucoup plus sur la planification et la préparation des plans stratégiques des comités nationaux olympiques pour la période 2021-2024. Nous attendons donc beaucoup de travaux de ce séminaire, puisque nous allons sortir d'ici avec des plans stratégiques préparés et finis pour nos comités nationaux olympiques afin de redynamiser le mouvement olympique en Afrique. Ce que nous attendons, en fait, c'est d'être mieux outillés pour faire face à la nouvelle gouvernance, pour faire face aux nouveaux défis que le mouvement olympique aura à affronter au cours de cette quadriennale. Le thème, c'est principalement comment définir en fait, la stratégie d'une organisation sportive, la bonne gouvernance, les méthodes pour pouvoir être à la hauteur, la transparence, l'équité, sont les principaux concepts que nous allons qui seront développés au cours de ce séminaire. Le président de l'ACNOA a été décoré par le président de la République du Niger et par le ministre de la Jeunesse et des Sports pour les efforts consentis pour le rayonnement du mouvement olympique africain à travers sa jeunesse.